Le ski de Sibérie est un chien adapté au climat très froid. C'est un athlète de haut niveau qui est capable de parcourir énormément de kilomètres, comme nous l'explique Fabien, le mosheur. Les jours où on travaille le plus, on va dire ils vont faire 30 km dans la journée. Mais si on balade en forêt pour le plaisir, ils font facile 50, hein, il n'y a pas de problème. Alors, pas d'affilée, mais sûr, ça fait plus. Bien sûr. Croiser husky celle-ci. Eh ben, sa maman est husky, elle est parfaitement blanche, ben, comme celle qui est à côté là. Mais le papa, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est sûrement un chien de chasse parce qu'autour de chez nous, il n'y a que des chenilles avec des chiens de chasse. Ah. Et ça ne l'empêche pas de faire du traîneau parce qu'elle a une pêche d'enfer. C'est aussi un excellent ami de l'homme, très courageux, intelligent et doté d'un très fort caractère. Il se trouve être aussi fugueur. Alors que ces chiens-là, s'ils ne baladent pas comme ça, attachés à un traîneau, ils ne peuvent, pas être lâchés en liberté, ils sont fugueurs. Et les mâles notamment, bah, s'ils sont lâchés, bah, ils risquent d'attaquer les troupeaux, ils font beaucoup de dégâts, quoi. Les chiens qui se forment, il faut quelques années pour qu'il apprenne bien le travail. Alors elle mérite d'avoir l'avantage d'avoir travaillé avec sa mère, qui était chien de tête aussi, et là qui est à la retraite à la maison. Du coup, sa maman lui a pas mal appris le travail. Il allie puissance, rapidité et endurance, et se trouve très efficace dans sa fonction de chien de traîneau.